à la corde. Mais voici maintenant un nouveau venu aux anneaux, le Croate Alexei Demianov. Quand je dis nouveau venu, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de se manifester en finale des championnats du monde et que pour lui, Bercy, eh bien, c'est peut-être le tremplin vers championnat du monde à Porto Rico ou championnat d'Europe. Alors les championnats du monde à Porto Rico, Pierre, très certainement, car c'est vraiment sur le programme libre, vous allez voir, peut-être le gymnaste le plus fort du monde. Certainement, à mon goût, plus fort encore que Keki sur le programme libre. Mais aux Jeux Olympiques, il y a, vous le savez, les imposés plus les libres. Et là, Yuri Keki est indétrônable. Il fait aussi fort que Keki, vous pensez? En force, en élément de force, oui. Regardez, croix de fer renversée. Parfaitement horizontale. Doublé. Les épaules sont bien à hauteur des anneaux. Tout cela est amené de l'élan. Planche libre. Ah, la fameuse croix Azarian de ce gymnaste arménien qui l'avait inventé. C'est très rare de la retrouver au championnat du monde. C'est une croix qui remonte aux années 40. Ça, je ne sais pas si c'est 40 exactement, mais en tout cas c'est très ancien. Ici, il y a un double tendu avec une vrille. Pour conclure, vous voyez, la sortie est également plus difficile que Yuri Keki. Il y a une vrille supplémentaire sur le double salto arrière tendu. Alors, il serait intéressant de savoir ce que les juges vont accorder à Demianov pour sa prestation qui a été particulièrement efficace. Planche tendue, mais les bras... Voilà, hein, la manière de venir à la planche est un petit peu moins nette que Yuri Keki. Là, il y a une petite flexion de bras. Mais la croix Arian est une difficulté assez peu présentée. C'est le seul même à le faire actuellement. Il a beaucoup plus d'envergure que Keki. Il est beaucoup plus grand, 1m75, alors que Keki ne fait qu'1m61. Mais aux anneaux, eh bien, ce grand balancier lui permet de réaliser quand même des figures intéressantes. Voyons voir la 9,687. Alors, il est deuxième. Il est deuxième derrière Yuri.